suis désolé, j'ai mal à la tête. Je suis malade, j'ai mal à la gorge. Et les gens sur Internet, ils me fatiguent. Suis pas énervé, les frères, attention. Je suis pas énervé, je suis pas énervé. Beaucoup de gens me disent comme toi, je suis pas énervé, alhamdoulilah. Tu sais, Akhil Karim, nous, c'est pour ça, moi, quand je vois des gens qui nous critiquent à la base, voilà, moi, c'est mon quotidien. On se fait insulter tous les jours, on se fait moquer tous les jours, par tout le monde. On se fait insulter tous les jours, on se fait moquer tous les jours, par tout le monde. À la limite. Ouais, ça le truc, je dis, ouais, c'est moi, qu'est-ce que je peux faire? Tu veux que je te paye un café? Je sais même pas quoi te dire. C'est-à-dire, nous, on est habitués à ça. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Je suis pas énervé, attention. Je suis pas énervé, les frères, attention. Je suis pas énervé, là, je suis pas énervé. Beaucoup de gens me disent comme toi, je suis pas énervé, alhamdoulilah. Juste. Pourquoi? Juste parle aux frères du collectif. Parce qu'il y a quelqu'un, il est venu, il rentre dans le Discord, parmi la première chose qu'il dit, ouais, tout, pourquoi vous, genre, en gros, et tout. Pourquoi vous cachez en gros le hukm du blasphème dans le firq? Pourquoi vous cachez en gros le hukm du blasphème dans le firq? Jésus musulman, est-ce que t'es là, Harry? Oui, ça m'a comme je suis là. Comme salam. Eh, dis-moi, je voulais te poser une question comme on avait discuté la dernière fois. Est-ce que tu pourrais, est-ce que t'as un verset du Coran qui montre comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ou comment il était en fait quand il y avait des quand il y avait des gens qui l'ont provoqué, ou là. Sourate Ahzab, Mathalan ou d'autres, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, Inch'Allah? Oui, alors bien. Qui dit? Fabina Rahmati min Allah il Mutalahu, Malaw Kunta Fadlan Ghaliban al-Qalbi lam tabdu min hawlik. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فإذا عزمت فتولوا. ولقد عفا الله عنهم. Qui parle du comportement du prophète alayhi salatu wa salam. On en a beaucoup des versets dans le Coran, mais celui-là, il est vraiment. Donc, ce verset-là, c'est un des versets qui parle du comportement du prophète alayhi salatu wa salam. On en a beaucoup des versets dans le Coran. C'est par quelques miséricordes de la part d'Allah. Donc, ce verset-là, c'est un des versets. Qui parle du comportement du prophète alayhi salatu wa salam. On en a beaucoup des versets dans le Coran. Muhammad tortured a man for money. Muhammad tortured a man for money. This is historical, right, Sam? Yeah. We have exactly. A man named Kanaina who knew where some money was hidden, and he refused to tell Muhammad after Muslims had won the battle against his town. Here's what happens. When Muhammad asked him about the rest, he refused to produce it. So the man, so they knew this man knew where the money was hidden, and he wouldn't tell them where the rest of the money was hidden. When Muhammad asked him about the rest, he refused to produce it. So the apostle gave orders to Al-Zubair bin Al-Awam, torture him until you extract what he has. So he kindled a fire with flint and steel on his chest until he was nearly dead. Then the apostle delivered him to Muhammad bin Maslama, and he struck off his head in revenge for his brother Mahmud, who had been killed in the battle. So think about this. Muhammad wants to know where some money is hidden, and Muhammad doesn't have any international rules for correct conduct in the aftermath of war. And so what does he have his followers do? Light a fire on this man's chest to burn him and torture him until he tells where the money is hidden. So according to Muhammad, in the example which, according to the Quran, is the ultimate moral example for Muslims to follow. That's Surah 33, verse 21 of the Quran. Muhammad is the pattern of conduct that Muslims are supposed to follow.